est là aujourd'hui à Toulouse. On est sur un bidonville. C'est une ville où il y a plusieurs centaines de personnes qui vivent dans des conditions d'habitat précaires. Je te jure, de chaque fois, les grands garçons me disent pourquoi on vit comme ça. Il n'y en a pas de conditions, il n'y en a pas une douche, il n'y en a pas quelque chose, tu as compris, qu'on va dire pour tout le monde. Elles ont souvent des conditions de vie très précaires, sans accès à l'eau, sans accès à des sanitaires, à des toilettes. Donc à cause de ça, nous ce qu'on voit, c'est déjà donc des états de santé dégradés. J'aime pas pour vivre avec les enfants dans la caravane. On va dire c'est mieux, c'était un appartement, quelque chose, tu as compris, il y en a des conditions, tout ça. Est-ce qu'ici, il n'y en a pas? Et si on va dire quand c'est froid, tu es obligé pour mettre un cheminée, il faut pour récupérer des bois, tout ça, et c'est très très compliqué. Quand les personnes elles vivent en bidonville ou dans des lieux de vie précaires comme ça, elles sont en général assez éloignées des structures et du système de santé. Le Médecin du Monde va vers les populations pour mieux connaître leurs besoins en santé, faire le lien avec les acteurs de santé, et puis aussi pour pouvoir témoigner de ce qu'on voit et plaider pour une amélioration de leurs conditions de vie. C'est tout un travail aussi de lever les freins avec les limites des personnes, les limites du système, et un système qui est quand même de moins en moins inclusif pour les personnes qui sont un petit peu en précarité comme ça. Ce qu'on constate, c'est principalement des politiques qui vont viser l'expulsion des personnes de leur lieu de vie. Ces expulsions, elles se passent très souvent sans préparation en amont, avec peu d'informations fournies aux personnes, avec peu d'évaluation en fait de leur situation. Et donc du coup, dans la très grande majorité des cas, absolument aucune solution qui va être proposée aux personnes, ou alors des solutions qui vont être des solutions pas adaptées à leur situation. Une juge qui travaille moi me proposait un hôtel provisoire, moi, de 2 mois, 3 mois, un an. Je ne sais pas combien de temps, moi je t'ai refusé. Je ne pars pas dans l'hôtel avec les enfants, tout ça. C'est quoi le problème à l'hôtel? Est-ce que le problème, il te faut tous les jours des sous pour acheter manger. Et je ne te laisse pas pour faire des cocinages. Pour rester une semaine, après je viens dans la place, c'est pas la peine. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les expulsions, elles vont juste produire plus d'errance et plus de précarité. Quand on n'a pas d'endroit où dormir ou qu'on ne peut pas se nourrir correctement, aller chez le médecin, c'est quelque chose qu'on peut envisager en fait quand on est déjà à un certain stade. Hein, c'est la pyramide de Maslow, hein, c'est les besoins primaires d'abord. Les personnes vont aussi potentiellement se déplacer, s'isoler encore plus en fait, donc elles vont être encore plus loin de leur médecin traitant quand il y en a, encore plus loin des dispositifs. Moi j'habite ici en face de la route de l'Atlanta, en face de Lidl, après j'habite en face de la déchiqueterie. Même quand c'était passé la police pour exploser, même la caravane, mais casser la caravane, mais casser la voiture, mais casser beaucoup de choses, mais casser les chariots de l'épitier avec des factures, avec tout. Moi j'ai perdu les fiches de paie. Donc, on insécurise des personnes, on est sur une politique d'usure où on ne veut pas qu'ils s'installent, donc on va les sortir et les expulser. Ça amène une paupérisation encore plus importante. C'est simple, on habite là. Est-ce que je ne sais pas, peut-être que la semaine prochaine pour passer, il nous dit, vous êtes 2 jours pour faire évacuer d'ici, on part où? On vit où? Dans la rue? Les personnes se sentent de plus en plus isolées, de plus en plus précarisées, fragilisées, et puis y a une détresse psychique qui s'installe et qui s'instaure. En tout cas, qui est favorisé par ce système d'expulsion systémique. Si on veut plus qu'il y ait de bidonvilles en France, il faut qu'il y ait des vraies politiques de logement, que les personnes elles puissent bénéficier d'un vrai accompagnement global. Et que ces expulsions, elles arrêtent de se passer sans aucune solution de relogement. En fait. On voudrait qu'il y ait des solutions qui leur soient concrètement proposées.